rendu compte que je faisais de la synesthésie. Après, j'avais 22 ans. J'ai découvert que, en fait, c'était une particularité de voir des couleurs sur la musique. J'étais à l'université en art. Et pour moi, à la base, c'était totalement normal et inné. Et je pensais que c'était comme ça pour tout le monde. Depuis que je suis toute petite, que je perçois les gens ou les notes de musique ou les chiffres par des couleurs. Il y a une couleur de fond pour ce morceau-là, très orangé, rougeâtre. Quelque chose de chaleureux, mais plus ça monte tranquillement, là, il y a une espèce de verdoyance. Du vert forêt, qui vont jusqu'à un vert clair, un peu lime. C'est comme des couleurs qui se mélangent doucement, un peu comme les aurores boréales. Plus il y a d'instruments, plus il y a de couleurs, plus il y a de dégradés, plus il y a de nuances. Ben, s'il y a plusieurs instruments pendant que j'écoute, c'est sûr que c'est une explosion de couleurs et de mouvements, en fait. C'est vraiment comme un feu d'artifice.